Quand on veut changer de travail, on a trois copains. Trois principaux copains. On a le mail, on a le courrier et on a le téléphone. Et comme vous écoutez France Bleu Loire-Océan, vous en avez une quatrième. C'est Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel Nantes. Bonjour Nolwenn Mahé. Bonjour. Bienvenue, on a toujours grand plaisir à vous recevoir pour noter précieusement tous les conseils. On a déjà fait avec vous eh bien, la mobilité professionnelle, les lettres de motivation, les CV. La dernière fois, c'était quoi déjà? On a fait les entretiens d'embauche. Ah oui, les entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, le téléphone, notre meilleur allié. Comment s'en servir à bon escient pour rechercher un emploi? Alors vous allez me dire, oui, il suffit d'appeler. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut appeler au bon moment et de temps en temps. Enfin, Nolwenn Mahé va tout vous expliquer aujourd'hui. Nolwenn Mahé, elle fait partie du cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle. C'est Potentiel Nantes. Vous avez un site internet, c'est potentiel-nantes.com. Alors aujourd'hui, le téléphone, notre principal allié. Mais là, tout le monde est en train de rigoler. Ben oui, évidemment, quand j'ai demandé un emploi, quand j'ai envoyé une candidature, évidemment, après, je téléphone. Pas forcément, il y a des gens qui en ont très très peur de ce téléphone. On fait en sorte que ça devienne leur meilleur ami, mais en général, ça bloque. Alors on nous dit, je vais être barré, je vais avoir des barrages téléphoniques, puis je vais déranger, etc. On ne sait pas comment s'en servir. On sait bien que ça peut aider, mais on ne sait pas dans quel sens partir. C'est la peur de la secrétaire de direction qui dit, il n'est pas là, il est en réunion, vous appelez 10 fois, ça ne marche jamais. C'est ça, la peur des barrages, parce qu'en fait, on a un mécanisme quand on envoie une candidature, c'est qu'on est binaire. C'est-à-dire quand on appelle, quand on décroche son téléphone, c'est pour savoir si oui ou non le profil intéresse. Et là, on se trompe. Quand on appelle, quand on prospecte, quand on relance, l'idée, c'est d'avoir des informations et pas une réponse. Et quand on a compris ça, eh bien, on avance beaucoup plus vite dans la recherche, surtout sur le marché caché. Avoir des informations, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai envoyé une candidature, une semaine après, on reviendra sur les délais, mais une semaine après, on va faire ce qu'on appelle une relance, c'est-à-dire qu'on va prendre des nouvelles de cette candidature auprès de l'entreprise dans laquelle on l'a envoyée. D'accord, c'est normal. Voilà. Donc, quand on appelle, en général, les gens disent, est-ce que vous avez bien reçu ma candidature, est-ce que mon profil vous intéresse? Oui, non, on cherche une réponse. L'idée, c'est de surtout pas partir là-dessus et de se dire, avez-vous éventuellement reçu ma candidature? Est-ce que je peux discuter du profil avec tel interlocuteur? Est-ce qu'il y a des recrutements potentiels? Oui, non. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres périodes où éventuellement je peux vous renvoyer ma candidature, où il y aurait des recrutements en cours? Oui ou non. Est-ce que vous connaissez d'autres entreprises qui seraient à même d'être intéressées par mes compétences? On va chercher des infos. Parce que l'idée du marché caché, c'est de croiser plusieurs choses. C'est les bons outils, CV, lettre de motivation, au bon moment et devant les yeux de la bonne personne. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces infos. Et plus on démarche des entreprises, plus on trouve à quel moment on peut envoyer ces outils sous les yeux de quelle personne. Revenons sur les termes de marché ouvert, marché caché. Oui. Ouvert, reprécisons les choses, ce sont les annonces que l'on voit dans la presse ou dans les sites spécialisés. Voilà, d'accord, c'est les offres d'emploi qui sont rendues visibles. Hein, une pancarte sur une porte, une offre d'emploi Pôle emploi. Dès qu'il y a une annonce ou dès que le poste est visible, c'est du marché ouvert. 30% seulement du marché. Et d'accord, le marché caché, c'est plutôt... Tout ce qui est en amont, avant que l'entreprise rende visible ce poste-là. C'est de l'ordre de la candidature spontanée. Hein, exactement. Presque. C'est d'accord, le réseau. C'est, voilà, faut se présenter avant que l'offre sorte. Et donc ça, c'est 60%. On envoie une candidature, il n'y a pas forcément un poste qui est sorti à la clé, mais on essaye d'avoir des informations, d'avoir le nom de l'interlocuteur, de savoir à qui on peut s'adresser pour en savoir plus en fait. Exactement, s'il n'y a pas de poste vacant, rien ne nous dit qu'on n'aura pas besoin d'un remplacement d'ici quelques mois, rien ne nous dit que peut-être la secrétaire qui vous a en ligne ou le RH qui vous a en ligne peut peut-être savoir qu'une autre entreprise va recruter, mais encore faut-il bien se présenter, donner son nom et son métier, non pas que son nom. C'est plein de petits trucs et astuces qu'on a comme ça pour que le téléphone devienne vraiment son meilleur ami. Il ne faut pas avoir peur du téléphone, on en a besoin à tous les moments de la prospection sur le marché caché. Et il suffit que la personne que vous avez au téléphone vous trouve plutôt sympathique, souriante. Oui, alors ça joue beaucoup, ça joue énormément. Elle va dire, ah oui, mais j'ai eu quelqu'un, tiens, justement pour le... Elle était sympa d'ailleurs. Comment elle s'appelle? Attendez, je vais trouver. Puis voilà, les choses se font comme ça. C'est ça. Et quand on vient vous déposer un dossier en disant, il y a telle dame qui a appelé, elle a envoyé sa candidature, elle était super sympa. C'est le petit clin d'œil qui fait que votre dossier papier, c'est-à-dire votre CV papier, devient humain. Et ça, c'est très important sous les yeux d'un recruteur. Pensez bien que les recruteurs, ils sont humains, ils sont tous différents, on ne sait pas ce qui va plaire ou pas. Mais un premier lien, c'est important, vous ne dérangerez pas. Et s'il recherche quelqu'un pour un poste, maintenir la bonne ambiance dans l'entreprise, c'est aussi très très important pour eux. Alors si la personne est souriante et sympathique, c'est déjà un pied... C'est ça.
ça. Dans la porte d'entrée. On est bien d'accord, hein, on ne fait pas de blagues par téléphone, on n'en rajoute pas des caisses, mais on est sympathique, on est souriant, le sourire s'entend au téléphone. Vous l'entendez de la part d'une secrétaire, on l'entendra de votre part si vous appelez. Le timing du téléphone, on appelle avant, on appelle pendant, on appelle après, on appelle quand ? Eh ben, on appelle avant, pendant, après, exactement. On va pas passer pour un casse-bonbon à force d'appeler aussi. Alors, si on s'y prend mal, oui. Donc, il faut quand même faire attention à certains points. Mais c'est surtout que le téléphone, dans un premier temps, il nous fait gagner du temps. On va appeler avant d'envoyer des candidatures spontanées parce qu'on va demander une seule info. Bonjour, je voudrais envoyer une candidature spontanée pour un poste de... On intitule son métier, parce qu'on ne sait jamais. Si la secrétaire est au courant qu'il y a un poste, autant dire le métier. À qui est-ce que je dois l'adresser ? Aucune crainte, aujourd'hui avec les mails, les gens vont vous donner les coordonnées de l'interlocuteur du DRH ou de la personne en charge du recrutement sur des services. Ce ne sera pas un souci parce que ce sera par mail, d'accord ? Donc, à par cas particulier. Donc, on appelle avant. On n'envoie pas des contacts, je ne sais pas quoi, sur site internet. On appelle, ça prend 2 secondes et c'est beaucoup plus efficace. On envoie nos candidatures hebdomadaires sur le rythme régulier. Ensuite, on va appeler, une fois qu'on a envoyé la candidature, 7 jours après. Alors, quand je dis 7 jours, ça peut être 6, ça peut être 8, hein, on est bien clair. L'idée, c'est une semaine. Ou pas. Voilà. Mais c'est pas trop tôt parce qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter la candidature et pas trop tard parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elle passe à la trappe dans des tiroirs. Donc, si on vous dit on n'a pas étudié la candidature, c'est pas grave, vous vous rappelez une semaine après. Mais l'idée, c'est une semaine. En point de repère, c'est une semaine. Donc, ça, c'est la relance. Et puis après, on va rappeler aussi, même si par exemple, on a été retenu en entretien d'embauche, on peut très bien rappeler, savoir où on est le recrutement, quelles sont les étapes, etc. C'est pas un souci. L'idée, c'est de pas être dans le harcèlement. Exemple, vous faites une relance, vous avez envoyé une candidature, et là, on vous dit... le recruteur n'a pas étudié le profil, rappelez plus tard. Ne rappelez pas plus tard. La personne que vous avez au téléphone, vous lui dites tout de suite. Plus tard, c'est quand ? Est-ce que je peux rappeler vendredi ? Vendredi, 11h, voilà. Vous calez un temps pour être sûr de ne pas rappeler 3 fois, parce que sinon, vous allez avoir peur de harceler et vous n'allez pas rappeler. Donc, soyez clair sur vos demandes. Allez jusqu'au bout de l'information. Quand est-ce que je peux rappeler sans déranger ? Avez-vous une ligne directe pour éventuellement que je puisse le contacter ? Allez chercher des infos. D'accord. Donc là, vraiment, le bon timing, on peut, à la rigueur, par rapport à la candidature spontanée, se fixer des points de référence sur son agenda. Voilà, l'idée, c'est ça. La chose, surtout quand on en envoie beaucoup, il faut arriver à caser tout ça. Pensez bien qu'on en envoie beaucoup, mais plus à l'époque d'il y a 5-10 ans où on faisait de l'arrosage. Hein, là, on va être un peu plus méthodique, puisqu'on va devoir relancer toutes les candidatures qu'on fait. Donc, sur une semaine de travail de recherche d'emploi, on va sélectionner, par exemple, 30 entreprises que l'on va prospecter, à qui on va envoyer une candidature spontanée. Avant de les envoyer, on va les affiner et puis on va appeler l'entreprise en disant voilà, à quel interlocuteur je peux envoyer ma candidature. On fait les 30, on envoie les candidatures et la semaine suivante, rebelote. On refait 30 appels pour avoir des coordonnées, mais on relance les 30 de la semaine précédente. C'est juste une question de rigueur et de méthodologie pour éviter le stop and go. On envoie des candidatures, on les relance, on ne fait pas dans du massif parce qu'il va falloir exploiter les candidatures et chercher des infos. Et tout ça avec le sourire. Bien sûr. Exactement, pour que tout se passe bien. Si vous avez des questions à poser sur votre mobilité professionnelle, sur l'utilisation du téléphone, sur vos candidatures, pourquoi pas, sur la relance de votre carrière professionnelle, vous pouvez appeler France Bleu Loire-Océan. Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel Nantes vous répond. Et puis elle propose des ateliers, on verra ça également tout à l'heure. Il y a des ateliers en février, là c'est plein, mais au mois de mars, vous nous redirez tout ça tout à l'heure. Quels ateliers concernés et qui est concerné pour venir vous rencontrer. Donc le téléphone, il faut appeler à bon escient, le sourire, la banane. Oui. Parce que c'est ça qui fait aussi la différence, parce qu'on vous remarque, parce que vous êtes joyeux, positif. Et ça s'entend, hein, en petit détail, le sourire s'entend, mais pensez bien aussi quand vous appelez, quel que soit le moment, hein, relance ou prospection, vous êtes assis tranquillement à une table, vous n'êtes pas vautré sur votre canapé avec un café et une cigarette, ça s'entend. Donc voilà, vous êtes en temps de travail et donc... Voilà, faut pas négliger l'attitude, la posture, parce que si vous êtes dynamique, ça s'entend au téléphone comme le sourire. Est-ce qu'on essaye d'être pragmatique, d'être direct, on raconte pas sa vie ? Oui, exactement. Alors, nous, en atelier, on donne un espèce de grand schéma avec des petites bulles pour essayer de se projeter sur une discussion pour pas perdre le fil et récolter un maximum d'informations. C'est-à-dire qu'il y a une méthode liée au téléphone qui nous permet de pas partir dans tous les sens, de récupérer des petites infos sur les candidatures et les perspectives de recrutement. Voilà, on est efficace. On n'appelle pas non plus pour discuter avec une secrétaire, elle travaille, d'accord ? Mais l'idée, c'est d'enlever l'idée qu'on dérange. Si on dérange, on va nous le dire. C'est pas un problème. Et pour éviter d'avoir la sensation d'harceler, bah voilà.
on pose les choses, on pose des questions claires, nettes et précises. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant excusez-moi de vous déranger. Non. Ça c'est comme sur les lettres de motivation. Oui. On évite tout ce qui est j'espère que, dans l'espoir de. Non. Enfin, on est très clair. Là, c'est un échange de personne à personne. Exactement. On est efficace et on est clair. D'accord. On a le sourire. On appelle. Et alors là, tiens, miracle, le responsable des ressources humaines est là. Donc on a passé le barrage, même s'il n'y en a pas forcément de la secrétaire. On a le dérage qui accepte de vous prendre. S'il vous prend, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. Oui, alors après ça dépend des politiques de chaque entreprise aussi. Il y a des barrages qui sont plus ou moins forts. Il y a des barrages où on vous dit non, on ne vous passera pas le DRH. Il y a des plateformes de recrutement. Mmh. Faites comme ci, faites comme ça. Vous avez l'information, c'est pas un souci. Mais par contre, il y a des entreprises. Il faut bien se dire qu'on est quand même sur une période de tension, en tout cas sur le bassin nantais, où les gens recherchent. C'est assez difficile de recruter sur certains postes. Donc il faut vous dire qu'ils sont à même de vous écouter. De voir qui vous êtes en tant que professionnel, et s'ils n'ont pas de poste à pourvoir, ils vont vous garder dans ce qu'on appelle des viviers. Donc ils ont tout intérêt à vous rencontrer, en tout cas même par téléphone, à faire le point avec vous sur vos compétences, etc., au cas où ils aient un besoin. Donc dans ces cas-là, c'est pareil. Il faut avoir prévu, quand on décroche son téléphone, qu'on peut être reçu par téléphone par le DRH. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se dire « mince, j'avais pas pensé qu'on pouvait me recevoir par téléphone » et paniquer. Hein. Il faut avoir sa petite liste de questions ou d'informations à donner. Est-ce que vous recrutez ? Si oui, est-ce que mon profil correspond. Est-ce qu'on peut trouver un moment pour se rencontrer, en discuter ensemble ? Je suis disponible, je suis mobile, je peux venir vous rencontrer. Et ça, c'est important. Provoquer une rencontre, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas la rencontre, c'est être capable, donc la présentation synthétique, qu'on travaille aussi, en moins d'une minute, de se présenter. Se présenter, c'est pas raconter sa vie très très vite, en une minute. C'est être capable de poser les compétences phares liées à son métier et à son parcours en très peu de temps. On ne sait pas combien de temps l'interlocuteur a à vous accorder. Donc il faut être aussi efficace, ne pas lui faire perdre de temps, mais marquer des points. Vous organisez des ateliers à potentiel Nantes. Oui, alors, février, c'est complet, je crois. Voilà, février, c'est complet. Mars, fin mars, on ouvre le mars. 26 et le 27, si je dis pas de bêtises. 26 et 27 mars. Voilà. C'est des ateliers où, évidemment, on traite de la méthode du téléphone, parce qu'en général, c'est là où c'est le plus drôle. Parce qu'il y a beaucoup de blocages. Hein. Les gens bloquent sur le téléphone, se trouvent des petites excuses ou un peu peur. Alors, on règle ça sans problème. Parce que si on n'a pas le téléphone, ça ne fonctionne pas bien. Et puis, on traite toutes les thématiques liées à la recherche d'emploi en deux jours. C'est-à-dire qu'on part de la sortie de la zone de confort, les outils, hein, CV, lettre de motivation. On va parler de la méthodologie marché caché, marché ouvert, hein, parce qu'il faut bien la comprendre pour ne pas passer à côté des 70% d'emplois. On va créer la présentation synthétique, voir l'intérêt, il a travaillé, les entretiens d'embauche, les réseaux sociaux pro. Voilà, on traite tout ça, on est très efficace, c'est des petits groupes, mais c'est une bonne ambiance. On n'est pas dans des ateliers de recherche d'emploi qui font peur. Ça va, on est aimable. C'est un peu le leitmotiv de votre cabinet, l'humain au centre de la recherche d'emploi et de la mobilité professionnelle. Oui. Les trois questions essentielles, Nolwenn Mahé, le téléphone, c'est votre allié et ce n'est pas une épreuve de téléphoner. Il faut se mettre ça dans la tête. Exactement, c'est un outil parmi d'autres, autant que le CV ou les techniques d'entretien ou la présentation synthétique. Le téléphone, on ne peut pas passer à côté. Et c'est un ami. Si on le maîtrise un peu, on peut en jouer et c'est plutôt sympa. Bon, quelles sont les étapes, les trois étapes d'utilisation du téléphone pendant une candidature ? Alors, on gagne du temps et on appelle les entreprises pour avoir les coordonnées de l'interlocuteur pour pas que les dossiers, le nom, le numéro de téléphone éventuellement, mais ça on l'a rarement, et puis l'adresse mail, juste pour pas que votre dossier de candidature il fasse tout le tour d'une entreprise. Il risque de se perdre, on appelle, on demande juste les coordonnées, on dit son métier au cas où quand même, parce que ça pourrait tilter, et puis on envoie sa candidature au bon interlocuteur. Le deuxième appel, c'est une fois qu'on a envoyé sa candidature, pas avant, on n'appelle pas pour prévenir qu'on envoie une candidature, ça semble logique, on appelle une semaine après, et on fait le point, savoir si il y a des infos à recueillir sur les recrutements de cette entreprise ou ailleurs. Et puis le dernier cap, faut pas hésiter à appeler, après avoir été reçu en entretien, ou pour faire le point, savoir où on est le recrutement, s'il est clos, s'il y a des perspectives, etc. Alors, téléphoner, écrire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se déplacer. Voilà, l'un ne remplace pas l'autre. Hein. On est bien sur un outil complémentaire. Mmh. Aujourd'hui, on n'envoie pas massivement des courriers, des candidatures papier. Hein. Il y a des coûts liés au timbre. C'est pas nécessaire. Les emails fonctionnent très bien. Les déplacements physiques, si vous prospectez toute une région, vous n'allez pas prendre votre voiture non plus pour aller dans tous les coins. Par contre, soyez logique. C'est une entreprise qui est en bas de chez vous, déplacez-vous avec votre CV, votre lettre de motivation, et quitte à vous déplacer, proposez un entretien, rendez-vous disponible. Le téléphone ne remplacera pas ce contact-là. D'accord ?
Le tout est lié. Les candidatures par mail sont importantes. Le téléphone est important. Mais la présentation physique aussi. Voilà. Et la réussite est au bout de tout ça. Bien sûr. Merci, Nolwenn Mahé, de votre présence aujourd'hui dans La Vie en Bleu, votre quotidien, la première partie. Émission à réécouter sur FranceBleu.fr, rubrique La Vie en Bleu. Et pour tout savoir, pour pourquoi pas rentrer en contact avec les collaborateurs de Nolwenn Mahé, potentiel Nantes, potentiel-nantes.com, avec donc pour cette ce cabinet spécialisé dans la mobilité professionnelle, on rappelle l'humain au centre de l'activité, hein, pas le chiffre d'affaires. Exactement. À réécouter. Merci Nolwenn Mahé, à très très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Pour un autre sujet, je sais pas quoi, mais on verra bien, hein, dans les... On fera surprise. Au revoir. Bonne journée, au revoir.